Alors, je m'appelle Guillemette Langrenet, j'ai 23 ans et j'habite à Lyon. Alors, pour ma part, moi j'ai fait 3 ans de formation en tant qu'infirmière. J'ai été diplômée en juillet 2017. Alors, je suis passée d'infirmière à auxiliaire d'envie parce que tout simplement le job d'infirmière ne me plaisait pas et ne me correspondait pas parce qu'ils étaient en attente de. Limite de profit et de voir beaucoup de monde en peu de temps. Et moi, je suis plus quelqu'un de sociable et qui aime parler. Et du coup, j'étais frustrée par cette situation-là. Alors, ce qui me plaît le plus dans ce métier, c'est de pouvoir partager des bons moments, de pouvoir être là pour la personne et l'accompagner pour les tâches quotidiennes. Et par rapport à l'anecdote, pour moi, c'était un stage que j'ai fait pendant ma formation en cardio. Et du coup, j'ai assisté à une urgence vitale pour une personne et qui finalement m'a fait comprendre et puis m'a pris une conscience de qu'est-ce qu'est la vraie vie, la valeur de la vie. Si je devais recruter une auxiliaire d'envie, ce serait les qualités qui, je pense, pourraient correspondre. Ce serait la patience, être rigoureuse, savoir travailler en équipe et puis être respectueux envers la personne âgée et tolérant. Alors, mes centres d'intérêt sont le sport, j'aime beaucoup courir, j'aime bien aussi skier. Et puis sinon, être avec mes proches, mes amis et faire des sorties.